You better turn up. You better be there when I shake. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tag. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait sur la chaîne. Et j'ai vu celui-ci sur la chaîne des lectures de Mumu. Il me semble que c'est ça, que je n'écorche pas son nom. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos et je vous afficherai le nom de sa chaîne ici. Je me suis dit il était pas trop mal, comme vu qu'il faut pas chercher de livres dans la bibliothèque. Je suis toute seule avec Bella et forcément Bella elle est folle. Donc je m'excuse par avance pour les bruits que vous allez entendre derrière moi. Donc pour ce tag, je n'ai pas besoin d'aller piocher des livres dans ma bibliothèque. Oui, elle vient de passer au-dessus de moi. Encore. Donc, pas besoin de piocher des livres dans ma bibliothèque, c'est juste, voilà, vous avez le choix entre deux réponses. Donc, on va commencer tout de suite. Il y a 10 questions, je vous listerai les questions en barre d'infos si jamais ce tag vous intéresse, si vous voulez le faire sur votre blog ou sur votre chaîne. Et n'hésitez pas à me taguer pour que je vais voir vos petites réponses. Donc, le tag, c'est « Que préfères-tu ?» Donc, question 1, que préfères-tu ? Lire des trilogies ou des one-shots ? Bah, clairement, si vous me suivez, vous savez que je suis team saga, donc team trilogie. Voilà. Même si je ne suis pas régulière et que je ne les termine pas forcément toutes d'une traite, enfin voilà, je commence des sagas, ça c'est sûr. Je lis beaucoup plus de sagas que de one shot. Alors c'était dans l'autre sens. Donc oui, je suis une team trilogie. Voilà. Question 2. Que préfères-tu, lire des auteurs féminins ou masculins? Étant donné que je lis beaucoup de romances, c'est quasiment que des auteurs féminines. Voilà. Donc oui, je lis beaucoup plus d'auteurs féminines que d'auteurs masculins. Je le regrette, mais bon, c'est comme ça. Vu que mon genre de prédilection, on va dire, c'est la romance, je lis beaucoup plus d'auteurs féminins. Donc, je préfère les auteurs féminins. Question 3. Que préfères-tu, acheter des livres en librairie ou en ligne? Moi, je préfère les acheter en librairie parce que j'ai toujours peur de les recevoir abîmés quand je les achète en ligne. Je préfère voilà, les tripoter en librairie. Là, elle est passée derrière moi. Elle fait, je vais la choper, je vais la défoncer. Mais oui, je préfère acheter en librairie. Je peux vraiment choisir mon livre. Voilà. Il sera dans l'état que je le souhaite. Et en ligne, je commande très rarement des livres. Bah, ça s'arrête sur Price. Voilà, uniquement. Via Price que je vais commander en ligne, donc là c'est déjà de l'occasion de base, donc parce que non, j'achète pas neuf sur Price, non. Donc oui, librairie. Question 4, que préfères-tu? Non, préfères-tu que les livres deviennent films ou des séries? Je dirais film parce que je regarde beaucoup plus de livres qui sont devenus des films par la suite. L'inverse en fait, le peu que j'ai testé en série, c'était pas terrible. Par exemple, The Mortal Instruments, ouais, l'accent, j'ai vraiment, enfin, la série, je la trouve pas top top. Enfin, en même temps, j'ai pas essayé, j'ai à peine commencé la saison 2 et le jeu d'acteur était pas terrible, donc je suis pas vraiment. Reviens ici, Bella, je veux pas que tu te sauves par la fenêtre. J'ai laissé la fenêtre ouverte dans la chambre du bébé, elle va essayer de monter, je suis sûre. Bella, tu sors de là. Allez, file. Ah ouais, je te connais, toi. Vas-y, grimper puis te tailler. Espèce de peste. Hop. Donc oui, les séries, à part la série via Confess de Colleen Hoover, celle-ci, je l'ai bien aimée. Il n'y a qu'une saison, il me semble. Oui, il n'y a qu'une saison. Et celle-ci, je l'ai vraiment bien aimée. Mais sinon, voilà, j'ai plus tendance à regarder des films tirés de livres. Par exemple, La Cinquième Vague, Harry Potter, Twilight. Et pour certains, bah, j'ai regardé que le film. Non, La Cinquième Vague, j'ai vu.
Mais ça va, c'était pas top, 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 top. Voilà, ça devient Evan Walker qui est juste. Voilà. C'est pas très plausible en même temps, mais. Non, je vais peut-être pas spoiler les gens. J'ai failli faire un mix spoil. Mais bon. Donc oui, je préfère quand même les films aux séries. Question 5. Préfères-tu lire 5 pages par jour ou 5 livres par semaine? Bah clairement 5 livres par semaine. Tu arrêtes ton bordel! C'est pas possible! Donc clairement 5 livres par semaine parce que 5 pages par jour, c'est clairement pas assez. Et quand je lis 5 pages par jour, je suis frustrée. Donc non, 5 livres par semaine, franchement. J'aimerais bien. Voilà quoi. Faut pas travailler. Et même sans travailler avec le petit, j'y arriverai pas. Mais ouais, 5 livres par semaine. Question 6. Devenir chroniqueuse ou écrivain? Je dirais chroniqueuse parce que écrivain, je suis vraiment trop maladroite avec mes mots. Non, clairement, ouais, chroniqueuse. Question 7. Que préfères-tu? Ne lire que tes 20 livres préférés tout le temps ou ne lire que des nouveautés? Clairement, les nouveautés. Parce que niveau relecture, je relis rarement mes livres. Le seul livre que j'ai relu, ça doit être peut-être 50 nuances. J'ai relu Maybe Someday plusieurs fois. Mais sinon, non, je suis pas vraiment adepte des relectures. J'ai tellement de livres dans ma palle que de toute manière, c'est un petit peu du temps perdu, je trouve. Donc, non, je préfère lire que les nouveautés. Voilà. Question 8. Que préfères-tu, être bibliothécaire ou libraire? Libraire. Il y a toutes les nouveautés qui arrivent, alors que bibliothécaire, il faut attendre un moment avant d'avoir les dernières sorties. Hein. Ils arrivent après la bataille. Donc, ouais, libraire. Question 9. Que préfères-tu, ne lire que ton genre préféré ou lire tous les genres sauf ton préféré? Je dirais quand même lire tous les genres, à part mon genre préféré. Parce qu'au bout d'un moment, la romance. Voilà, ça va faire un trop-plein et non, j'ai besoin de changer d'air de temps en temps. Voilà, donc oui, tous les autres genres sauf le mien. Parce qu'il y a toujours possibilité d'avoir un petit peu de romance dans ailleurs. Hein. Question 10, que préfères-tu, e-book ou papier? Clairement, e-book, niveau du confort de lecture, c'est plus pratique pour moi. J'ai plus tendance à lire e-book. Que papier et papier parce que j'ai trop peur de l'abîmer en fait. Donc voilà, je préfère lire sur e-book. Je préfère lire en e-book, pas sur e-book. Ah, je préfère ouais, largement la lecture sur la liseuse, c'est vraiment un confort. Vous pouvez il y a beaucoup de réglages, vous pouvez vraiment c'est moins fatigant. Je m'endors moins vite en lisant sur liseuse que sur papier. Voilà. Donc voilà pour ce tag. Donc comme je vous l'ai dit dans l'introduction, n'hésitez pas à piocher les questions dans la barre d'infos et à répondre aux questions. Ou même dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Et bah, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée à vous. Ciao!